Et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, merci de le demander. On se retrouve pour faire du 7 Days to Die, donc ce jeu survie zombie qui est en développement depuis à peu près 48 ans. La précédente partie j'étais mort comme une merde, enfin j'ai pas eu de chance, hein. Je redécouvre le jeu et je me suis fait choper de nuit par tous les zombies. Et là, je vais tenter d'aller récupérer mon sac à dos. Ah! Elle est où l'échelle? Merde, je l'ai passée! Hop là. Ok. Ok. Ouf. Petite frayeur, hein. Tac, tac, tac. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ensuite. Qu'est-ce que j'avais là-bas au bout? Je sais plus. La nourriture. Là, le bandage. Il me semblait que j'en avais des bandages, mais. Je me trompe peut-être. On va lire ça. Ah, faut vite que le jour arrive que je puisse aller nettoyer tout ça parce que ça va trop être le bordel. Ça va trop être le bordel. Allez, je vais commencer à ranger un peu. Ça va être chiant, mais nécessaire. Donc là, je vais mettre tout ce qui est arme à feu et mode. Là, je vais mettre tout ce qui est secours et nourriture. Ouais, j'entends que ça tape partout, hein, ça me stresse. Mais... Ça c'est de la bouffe, ça c'est de la bouffe, ça c'est de la bouffe. Feu. Nourriture. La thune. Les modes. Médoc. Vaut mieux faire ça pendant la nuit, un soir. Quelle heure il est là? 2h59, j'ai encore une heure. Donc on va en profiter. Putain, je suis bon pour aller tout nettoyer le POI après, je suis dégoûté. C'est des médocs, ça, oui. Touc, 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 la bouffe ici. Ok. Ça, on peut considérer que c'est de la bouffe. On va recharger ça. Bon, c'est déjà bien, j'ai réussi à récupérer mes loot. Ils sont en train de me défoncer le POI, quoi. Voilà, et tous les loots on va les mettre là-dedans. Sauf la pierre et tout, parce que ça sert à réparer. Et la thune, ici. Tac, du coup on va s'installer un peu plus dans le sens où je vais faire un feu. Par ici c'est bien. Merde, je sais pas comment on fait pour split. Clic gauche, non. Ah. Mage, clic gauche, non. Ok. Tac tac. Oh, je pense pas. Je pense que le jeu restera en. On va fabriquer ça. Je pense que le jeu restera en bêta. Quand on sera tous morts. Hein. Quand ce sera la vraie invasion zombie.
pas le caler derrière là. Non. Je peux pas le caler là, je peux le caler nulle part, c'est super. Ouais, je pense que ce jeu restera toute sa vie en bêta. En termes de bouffe, je suis pas trop mal. J'ai trouvé pas mal de trucs là dans les caisses en bas, ça fait plaisir. Donc mon sac de couchage, c'est mon point de respawn. Ensuite, c'est le jour, ça c'est bien. Peut-être me refabriquer des bandages. Comment je fais ça, des bandages? Avec du tissu, logique. Le tissu du coup. Hop. S'en refabriquer quelques-uns. J'en ai pas, hein, je suis pas fou. Non, j'en ai pas. Fabriquer 3. Juste au cas où. Tac, et je vais reprendre la torche en fait. Est-ce que ça aurait pu me servir un moment dans le noir? Alors, où sont les zombies maintenant? Il faut que je renettoie tout ce que je viens de faire. Ok, ils sont déjà là. Ah. Ils sont arrivés bien. Ah non. Allez. Et de 1. Ils vont super vite, je trouve, maintenant, comparé à avant. Se dire qu'ils ont tout pété. Hein. Oh, ils ont tout pété, ils ont juste pété une porte. Je vais refermer celle-là d'ailleurs. Ah, puis il y a peut-être des zombies qui sont rentrés, je vais voir après. On va se nettoyer la zone. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va checker à l'intérieur. Il y a que dalle. Donc c'est ça hein, qui m'a tué. J'ai pris la clé qui était ici. Ça a ouvert cette porte, celle-là. Et celle-là. Et du coup, bah, je me suis aventuré dehors. Et il y avait 20 zombies là qui m'attendaient. Et par contre, c'est très mal fait parce que je peux pas la refermer quoi. Donc là, ça veut dire que les zombies vont pouvoir se balader chez moi. Du coup, ce qui rend ma base totalement vulnérable. Donc, ce que je vais faire, c'est que là. Ouais. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à condamner ici. Sauf que ça. Ça va être chaud à faire. Ouais, mais en fait, je vais le laisser et à la prochaine nuit. Bah, toi, t'es bientôt morte, on va te finir. Je parlais pas de la hachette, mais de la porte. Tac, la prochaine nuit, je vais détruire cet escalier là, tout simplement. Et du coup, j'aurai qu'un accès par là-bas, par mon échelle et par là. Ok, allez, on va pas passer. Plus de temps là-dessus. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas les refermer les portes quoi. Je vais virer mon truc en bois parce que c'est disgracieux. Même si ça m'arrangeait bien d'avoir l'entrée de chaque côté, après je peux refaire une échelle ici au pire. Je trouve ça pratique d'avoir une entrée de chaque côté suivant de si c'est la panique et d'où on vient. De devoir faire tout le tour, je pense que je vais faire ça. Tac, échelle. Oui. Allez, ça va me faire comme tout à l'heure, je vais pas pouvoir le faire jusqu'en haut. Ah ouais, sauf que là ils peuvent peut-être monter par là, c'est pas une bonne idée ça. Ouais bon c'est pas grave, allez on va pas se prendre la tête avec ça et c'est surtout que c'est le jour et le jour on n'a pas le temps. Il faut aller explorer avant la nuit. Oh putain. Je savais même pas qu'il y avait des serpents maintenant. Ok.
C'est bien, ça donne de la viande. Ah, le lapinou, il est parti loin. Peut-être encore me le faire. Oh, genre quoi. Pas perdre trop de temps avec ça non plus. Alors ici, il y a un garage, là il y a un truc électronique. Peut-être un peu tôt encore pour m'intéresser à l'électronique. Caisse de réparation, c'est cool. Donc là, le marchand m'a envoyé chez un certain Jack, je sais plus quoi. Avec un peu de chance, c'est un armurier. Bonjour. Au revoir. J'adore la masse à deux mains, quoi, vraiment. Oh, cool. Merde, c'est pas ça. Portée. Ouais, je vais garder le débardeur, on sait jamais si. Lors des zones très chaudes. Un magazine. Petit lapinou, mais bon. Comme il détale, ça va être trop tard, je pense. Ah, et un zombie. Bonjour. Peur de toi, monsieur. Ça perpète sa maison là. Puis j'ai pas l'impression que ce soit un armurier, du coup, vu que. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on va dans la pampa là, clairement. Ah, les rampants, je les aime pas. Voilà pourquoi. Parce que leur Xbox est claqué. Le nouveau système de l'eau, j'aime bien en vrai le fait que l'eau soit pas abondante. Ah, si, c'est un armurier. Non, c'est une casse. Oh, il y a un chien. Il y a une niche, donc il y a un chien. Et le chien, c'est ce qui m'a fait super mal la journée d'avant. Flèche, elle. Merde. Ouais, super. Les flèches, elles vont pas du tout là. Donc, je pense à chaque fois, faut viser bien plus haut. Les chaises. Tac. Distributeur de papier. C'est bien de faire un petit tour avant de la zone. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, du sable, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. Tac, on va juste refaire un tour des boîtes aux lettres. En fait, j'ai l'impression que dans les boîtes aux lettres, il y a souvent, voilà, des magazines. Les magazines, c'est cool. Oh, il y avait un steak parfaitement cuit à point. Ah, par contre, ça reroll le distributeur ici n'est plus fonctionnel. Ah, bah, ça, j'ai déjà lu. C'est bien, si j'ai faim, j'ai de quoi manger un truc encore. Ah, ma masse est bientôt foutue. Plutôt que ça arrive en plein combat, on va la réparer maintenant. Choper un peu de bois. Tac. Pêche en pierre. J'ai vu le mec, hein, vous en faites pas. Allez, ça dégage.
Alors, on casse toujours ça hein, quand on rentre. Parce que bien souvent, ça donne de l'alerte. Récupère de la pierre pavée. Il n'y a pas l'air d'avoir qui que ce soit en fait. Est juste là derrière, ouais, c'est ça. Ah. Bonjour. Oh, du loot. Ça c'est cool. J'ai regagné des balles pour mon pistolet encore une fois. J'ai plutôt, plutôt de la chance hein, sur ce début de partie, mis à part la mort désastreuse, mais. J'ai plutôt de la chance sur les loots. Donc ça c'est bien, étagère vide, étagère pleine. Il n'y a plus besoin de chercher à la souris. Ça c'est disgracieux, je vais l'enlever. Ah, je suis un peu maniaque sur les pillages aussi. Ça aussi c'est moche. Donc là, je suppose que ça s'ouvre, mais il y a le chien derrière, j'imagine. Endurance. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire tout de suite un. Voilà. Au cas où le chien arrive. Je peux sauter par là tout de suite. Alors, on va peut-être se le faire le mode Assassin's Creed, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de chien. C'est bizarre. Normalement, quand il y a une niche, il y a un chien. Alors, il va me sauter dessus quand je m'y attendrai le moins, c'est le principe. Alors, on récupère du loot. C'est pas perdu, j'en ai pas beaucoup du bois, hein. 300 c'est pas énorme. Ça sert à rien. La petite caisse. Quelle heure il est? 8h18, on est pas mal au niveau de l'horaire. Après il y a encore tout l'intérieur du POI à explorer. C'est pas tant que je traîne non plus. Ok, cool, les antidouleurs. Je sais pas si c'est ça l'intérieur du POI ou si c'est. Ouais, peut-être que ça rejoint par le conteneur, donc je vais explorer là en premier. Ça doit être fermé, ça. Ouais. Ah, ça s'ouvre. Avant, il y avait des sacs comme ça dédiés aux pierres pavées. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout dedans. C'est moins rentable du coup. Alors il y a peut-être des sacs qui sont dédiés à la pierre pavée, mais je les ai pas trouvés. J'ai pas vu le sac ici d'ailleurs. Avec des os, super. Hop, il n'y a pas de chien, je récupère ça. Allez, on grimpe. Bon, là-dedans, il y a sûrement quelqu'un par contre. Même le chien. Je sais pas, mais j'ai aggro. Mourez, madame, s'il vous plaît. Ok, rien de transcendant. Ça, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Du nitrate, je crois. Ah, ma pelle fait vraiment pas de dégâts quoi, c'est ouf. La farine. Les Pringles, je veux les Pringles.
Pourquoi j'ai jamais les Pringles? Des graines, ok, ouais, j'ai rien acheté pour le moment. Virer ça. On va acheter le verre, une fois de plus, hein, combien de fois je me suis suicidé avec ce truc à la con où t'as du verre dans l'inventaire. Tu veux utiliser un truc, et ça tu utilises le verre, et tu te suicides. Ça me rapporte que dalle, hein. Ça a de l'argile, les trucs comme ça. C'est pas foufou, ça m'intéresse pas des masses. On va ramasser ça avant de le casser en fait. Ça c'est du maïs. Donc, il y a des sacs de maïs maintenant. Ah ouais, c'est drôle avec le recul, mais j'avoue que sur le moment j'étais un peu dégoûté. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est ça le pire. En voulant le jeter notamment et en ratant le double clic ou quoi. Elles sont bizarres ces portes, les poignées, on dirait qu'elles sont à l'envers. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le jeu considère que c'est un bloc, donc je peux pas looter à travers ça. Ah, il fait très sombre hein, dès qu'on est à l'intérieur là. J'aimerais bien trouver un. Trouver un casque de mineur. Oh putain, le piège à con quoi, j'avais pas vu que ça venait de là-haut. Ah! Intéressant. Ah, y a plus de casque de mineur, ok. Ça m'embête un peu. Regardez-moi ça. Wow. Die, motherfucker. Oh, ça bouge encore, ouais. T'es pas mort? Ok. Alors là, je sais que j'ai tué tout le monde parce que la quête me renvoie au marchand et que ma quête était d'éliminer les zombies dans la zone. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien ici. Je vais pouvoir piller tranquille. Oh. De craft un mode lampe pour le mettre sur un casque. D'accord, ok. Moi j'ai hâte de trouver ce mode du coup. Oh, il y a beaucoup beaucoup de livres maintenant. Caisse enregistreuse, quelques dollars, ouais, merci. Ok, ah, il y a un tuyau. J'utilise pas ces armes là. Les glacières c'est tout vide. Ici il y a du scotch, c'est cool le scotch. Ouais, regardez-moi ça, les petits trucs cachés là. Les balles en plus, c'est très bien les balles. Ah, les sauts sont toujours aussi. Lunaire, j'ai envie de dire, hein. C'est, on se voit un peu sur la lune. Que j'arrive à sauter là. Pas sûr, monsieur. Ah si, je mets 10 ans. Ah non, non. C'est pas que j'ai récupéré là. Des pièces de fusil à pompe. Ok. On va récupérer tout ça. Ah, je pense déjà plus avoir d'endurance. C'est vraiment relou au début du jeu ça. Tac, et là. Je vais pas pouvoir passer. En même temps, il n'y a que ça. Les nitrates. Ok.
Ok, y a pas un petit coffre là, c'est bizarre. Des os. Des os. Et c'est tout, je crois que j'ai fait le tour de ce POI. Ah, j'ai gagné des outils de crochetage. Ça fait plaisir. Ok, donc si je comprends bien. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Il y a des petits trucs pour ouvrir la porte. Alors, je suis surchargé de ouf, putain. Pourquoi j'ai pas faim comme ça d'ailleurs, c'est bizarre. Bon, je pourrais manger un petit peu. Ça nourrit pas beaucoup le steak, hein. Putain. C'est plus que c'était le steak. Je vais boire un coup, on va revenir. Ça c'était drôle. Tuer une poule avec une masse à deux mains quoi. Ouais, je suis très encombré hein, de ma condition physique. Donc forcément ça va être un peu long. Je sais pas. Ouais, je peux en manger un peu. Vas-y, ça fera de la place. Plutôt rentable en SPOI, j'ai trouvé pas mal de trucs. Endurance, non, nourriture, ouais, je peux encore manger une fois. On se fait de la place. Oh, c'est quoi ça? Un gros monsieur, pas beau, du tout. Qui m'a pas vu. Vas-y, dégueule, on triera, hein, comme disait ma mère. d'XP, c'est plutôt rentable. Ouais, des plumes sur la tête. Ouais, non, flèche, je suis pas trop mal. Ouais, on va surtout rentrer à la maison là parce que je suis lourd comme un sac. Que je le redis, hein, mais moi, ce que je trouve génial dans ce jeu, c'est que tous ces endroits, pardon, à explorer, c'est fait main par les développeurs. Je le dis à chaque vidéo, je sais. Je l'ai déjà dit 10 fois depuis le début du stream, je sais. Mais moi, c'est ça que vraiment que je trouve fascinant dans 7 Days to Die. C'est pas tout généré aléatoirement comme la plupart des jeux de survie. Donc la carte est générée aléatoirement, mais après les POI qui y sont placés, donc les points d'intérêt, sont faits à la main. Et ça, c'est cool, parce que du coup, les développeurs sont bien fourbes. Ils nous ont calé des secrets et des zombies dans les endroits à la con. Ça c'était ma masse à deux mains mon pote. Ok, il y a une sorcière ici, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Fais pas flipper ta maison. Ah, ça va être long de revenir comme ça quoi. Je continue à ramasser des cailloux quand même. Donc en soi la logique là ce serait d'aller à gauche pour aller déposer toute cette merde qui m'encombre. Je vais fouiller ça même si j'y crois pas du tout hein. Ça fait plusieurs fois que je fouille ces genres de trucs et y a jamais rien. Intéressant. Oh ça c'est cool. Portée droite. C'est long de chercher dans les voitures. Ah, je peux pas. Voilà. Merde, la poule m'a vu avant. Et puis, c'est derrière la barrière et pas quoi de la poule. Pas bête, la bête. Allez, on voit les ispas. Là, c'est là où ma maison elle est. Ça me correspond bien. Ramasser des cailloux sur la route. J'ai bien fait de manger la viande grillée, là, la viande au barbecue, parce que ça me donne un buff de
d'endurance et j'en ai bien besoin. Je pense qu'elle se remonte plus vite. Voilà, et on est de retour sur ce bâtiment qui est devenu totalement précaire depuis que les zombies ont trouvé le moyen de rentrer. Tac, allez, on va éviter tout ça. Pour aller plus vite. Tac. Tac. Ça je garde, ça veut dire. Ça va là, je crois. Ensuite, weapon. Weapon, yazat, yazat. T-shirt aussi, je vais le garder pour le moment. Caisse de repas. Et la thune. Et ensuite là, nourriture. Et les médocs. Je garde juste un petit peu de. Hop, ça aussi. Je garde juste un petit peu de bois, de fibres, de pierre, tout ça, parce que ça permet de réparer. Tac tac tac, je vais peut-être prendre la thune pour aller chez le marchand. Ouais, je sais pas, j'en ai pas beaucoup encore. Comment il y a du fer ici que je dois garder aussi. Tac, allez, on retourne chez le marchand, on va valider la quête. Oh. Marchand qui est à 200 mètres. Ah, la voiture de police, je vais peut-être pouvoir finir de la crocheter aussi. Ah non, ça l'a réinitialisé, merde. J'étais à 6. Et j'avais presque réussi à la crocheter. Peut-être que ce sera mieux maintenant, allez. Yes. Ça passe. Super, genre les flics utilisaient ça, quoi. Ouais, c'est pas grave. Donc ça, c'est quoi? Bruit, mais sur quoi? Une armure, ok. Et ça, c'est pour les arcs. Comment on fait déjà pour modifier? Comme ça. Comme ça. Terminé. Et l'armure. Modifier. Ah, j'ai déjà mis les poches là-dessus. On peut mettre là-dessus. Ça doit faire du bruit, ça aussi. Donc, on va faire l'inverse. On va mettre ça ici. Il n'y a plus de terminé là. Ok. Et là-dessus, on va mettre les poches. Je peux mettre des poches sur une jambière? Oui, parfait. Ok. Ah, je pensais qu'elle allait continuer là. La garce. Ça m'embête. Mon kikine. Oh, c'est moche. C'était moche. Ouah! Ah, ok, bah c'est exactement sur ce genre de truc que je suis tombé là, en pleine nuit l'autre fois. Ok. Ça va être chaud, il y a quand même beaucoup là. Tellement bien fait d'aller vider mon inventaire. On va aller au marchand. Bon, c'est la balade, hein, honnêtement. Ça me drop même des trucs. Allez, l'endurance revient. Et bon. Voilà, tu tiens pas sur tes jambes. T'as beaucoup de vie. T'as beaucoup de vie. De ouf même. What the fuck? Voilà.
J'ai les points de compétence, mais pour le moment, je les dépense pas. Ah putain, mais c'est dingue quoi. Mon kiki dans les poules, j'y arrive pas. Elle ne bouge pas. J'ai du mal avec le viseur en fait. Qui vise pas vraiment. Là où je le voudrais. J'ai comment en pierre? Pierre, je suis pas mal, c'est en bois. J'en ai pas beaucoup. Allez, on va aller au marchand, récupérer la quête. Et je vais voir, bah, je vais faire ma pause déjà. Quelle heure il est? 16h encore, je suis bien. Mais je vais peut-être repartir dans un autre POI à explorer. Mais plus la mer ton endroit, hein, mais... Oh le bordel. Bon, ça c'est pas mal. Oh, ça c'est pas mal aussi. Mais ça c'est... Ah non, c'est le schéma, attention. Hein. Est-ce que je tire beaucoup? Mais je sais pas, la colle, je sais pas, c'est rien, on va prendre ça. Alors, élimination de zombies au nord. Il n'y a rien au nord. Déracinate domicile, non. C'est Malone résidence, pourquoi pas. Caravane, carrousel. Je pense que je vais prendre celui-là. J'essaie de voir par rapport au nom en fait. Oula, c'est l'orage. Par rapport au nom de la quête. Tout simplement, on va essayer de comprendre si c'est un armurier, un commerçant, une résidence. Ce genre de choses. C'est très glauque l'ambiance. J'ai froid et je suis mouillé, quand est-ce qu'on arrive, ouais, tout ça, tout ça. Je vais retourner à la base et je vais faire ma coupure ici. Ça risque pas. Marque, il y a des vélos et des véhicules dans le jeu. Hein. Je suis très loin encore, je pense. Hop, les... Allez, on va reposer tout le bordel. C'est 15h en même temps, je sais pas si j'aurai le temps de... Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je sais pas si j'aurai le temps de tout refaire. Merde. Ça en vrai, je vais jamais l'utiliser, je pense. Hein. Non. J'en ai déjà un en plus, ça les dégage. Tac, les outils de crochetage, on les garde au cas où. Je commence à avoir pas mal de thunes, c'est cool. Télec, 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 ok. Ok. Hop. Merci la lampe. Et puis du coup, bah, comme je le disais, je vais faire ma petite coupure sur le stream ici. Je vais faire l'arrêt de la vidéo YouTube à cet endroit-là également. Et du coup, je reviens dans quelques instants sur le stream et sur un prochain épisode sur YouTube. Allez à toutes!